Bonjour les petites coccinelles loups, je suis content de vous voir. Aujourd'hui, le programme du jour. On commence par l'araignée gypsy, ça c'est classique. Puis la date, quel jour sommes-nous, en sachant qu'hier nous étions lundi. Savez-vous planter les choux? Ils étaient 5 dans le nid. La lettre du jour. La lettre du jour, c'est la lettre U qui fait le son U. Facile. Et mon histoire, je continue et je finis le miel et la boue. Vous vous souvenez? Allez, on commence par l'araignée gypsy. L'araignée gypsy. Monte à la gouttière, tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi, tu es prêt? Très bien. Donc, hier, nous étions lundi. Lundi 20, hier. Donc, après lundi, un jour qui commence par le son M. Lundi. Mardi. Nous sommes mardi. Allez, une grande chasse, mais attends. Hop là. Tac. Sans tomber. Mardi. Voilà, on voit bien. Donc, aujourd'hui, mardi. Hier, nous étions le 20. Après le 20, c'est le 21. 1, 2. Et 1, 1. Mardi, 21. Avril. Donc l'empereur, sa femme et le petit prince pour lundi, mardi, et ils reviendront demain. Demain, nous serons mercredi. On y va pour lundi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi. Pour me serrer la pince, comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Voilà, demain ce sera mercredi. Pardon. Savez-vous planter les choux? Aujourd'hui, on va les planter avec la main, l'oreille, le coude et le front. On essaye. Savez-vous planter les choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous. On les plante avec la main. À la mode, on les plante avec la main. À la mode de chez nous, on les plante avec l'oreille. À la mode, on les plante avec l'oreille. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le coude. À la mode, on les plante avec le coude. À la mode de chez nous, on les plante avec le front. À la mode, on les plante avec le front. À la mode de chez nous. Et bien voilà, ça me semble très bien. On passe à 5 dans le nid. 5. Ils étaient 5 dans le nid. On est parti.
Ils étaient cinq dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous !» Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient quatre dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous !» Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient trois dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous !» Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient deux dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous !» Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était un tout seul dans le grand nid. Alors, un, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. La lettre du jour, c'est donc la lettre U. Alors, la lettre U, comme d'autres lettres, la lettre U, elle fait le son U, tout simplement. Alors, le son U, on le montre comme ça. La lettre U qui fait le son U. La lettre U. Alors, où est-ce qu'on la trouve, cette lettre U? Et surtout, où est-ce qu'on l'entend? Eh bien, le son U... Ça, c'est quoi? Une plume. On entend bien U dans plume. Voilà, ça, c'est une plume que j'ai trouvée dans la cour. Ça, c'est un cube. Un cube avec le son U. C'est le son K et le son U qui font cube. Puis après, il y a le B. Un cube U. Et puis... j'ai écrit lune. On voit bien le U. Lune avec le son U. Lune. Voilà. Donc, la lettre du jour, la lettre U qui fait le son U. On finit l'histoire du miel et la boue. C'est donc l'histoire d'un ours pas comme les autres qui aime faire des bouquets de fleurs et d'une biche pas comme les autres qui aime jouer à jeter de la boue. Donc, on avait le hibou qui venait de leur faire remarquer qu'une biche qui jetait de la boue, c'était pas plus commun qu'un ours qui aimait les fleurs. L'ours et la biche réfléchissaient silencieusement à ce que venait de dire le hibou quand, soudain, ils entendirent des petits cris qui venaient de la rivière. Lorsqu'ils arrivèrent en courant, un petit lapin était suspendu par une patte à une grosse racine qui surplombait la rivière. Il avait joué trop près du bord et une motte de terre avait glissé sous ses pieds. Bob, que tous les habitants de la forêt prenaient pour une poule mouillée, s'élança pour l'aider, mais Sidonie l'arrêta. « Le bord ne supportera pas le poids d'un ours, fais attention !» Elle s'avança avec douceur et tendit ses longues pattes pour sauver la petite boule de poils qui s'agrippa fermement. Regardez, la biche, elle tient le lapin et l'ours, il tient la biche. Tout le monde cède. Lorsque Sidonie reposa le lapereau au sol, il tremblait encore tellement qu'il lui était impossible de parler. « Attends !» « Je vais te préparer un thé bien chaud, avec du miel, » lui dit Bob. Le lapin accepta avec plaisir. Il n'avait encore jamais goûté ce fameux miel, souvent gardé en hauteur par les abeilles. Entre deux gorgées, reprenant ses esprits, il remercia ses deux sauveurs d'une toute petite voix. À ce moment-là, le hibou,
que les appels au secours n'avaient pas affolé, arriva tranquillement et, se penchant vers le lapin, il se moqua. « Cet ours avec son petit service à thé et cette biche toute crottée forme un drôle de duo, n'est-ce pas ?»« Qui a décidé qu'un ours devait être brutal et qu'une biche devait être gracieuse ?» interrogea le petit lapin. « Quelle question ! C'est comme ça, c'est tout !» répliqua le hibou, sûr de lui. Peut-être, mais je suis ravi d'avoir été secouru par les longues pattes d'une biche qui ne craint pas de se salir, et d'avoir été réconforté par le bon miel d'un ours gourmand et tout doux. Si Bob et Sidonie devaient perdre leur qualité parce que c'est comme ça, ce serait un peu dommage, non? C'est la fin de mon histoire, et je pense que le lapin a raison. Bob et Sidonie, ils ont beaucoup de qualité, et c'est très bien qu'ils soient comme ça. À demain les petites coccinelles loup, passez une bonne journée.